Bon, pas, j'ai un coup de fil urgent à passer. Ne t'inquiète pas. Hein. Le docteur a l'habitude, il est au courant. Je reviens. Mais oui, ma chérie, vas-y, t'inquiète pas. Après le toubib, j'ai racheté les médicaments et je rentre. Non, 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 je préfère que tu m'attendes là, j'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Le docteur Baird est pas là? Vous avez rien reçu de la secrétaire? J'ai demandé à ce que tous ces patients soient prévenus par courriel qu'il était en arrêt maladie. Non, le facteur m'a rien donné. Hein. Non, 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 sur votre ordinateur. Ah oui, vous savez, moi, les ordinateurs... Ah oui, bah va falloir s'y mettre, hein. On marche qu'à ça maintenant. C'est aussi vital que de savoir lire. C'est... Je viens ici chercher ma nouvelle ordonnance pour ma poly... Alors vous êtes monsieur pharmacie, hein? Pharmacie. Pharmacie, pharmacie, pharmacie. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'est... Vous savez, je comprends rien avec votre charabia de toubib. Alors, mon charabia de toubib, comme vous dites, monsieur pharmacie, c'est des faits médicaux très spécifiques. Hein, pathogènes, même dans votre cas, là, vous pouvez pas passer à côté. Donc face à votre polyarthrite rhumatoïde, nous on suggère une substitution de l'articulation par un arthroplastique. Monsieur Pharmacie. Monsieur Pharmacie, vous avez entendu ce que je viens de dire? Seulement le début, c'est... Je l'avais dit, bon, moi je comprends rien avec vos histoires de toubib là. Ok, je reprends. Donc, comme je vous disais, au vu des analyses concernant votre polyarthrite rhumatoïde, nous, on peut vous conseiller une autre opération qui a pour but de vous soulager. Ça requiert une arthroplastie. C'est une intervention qui va viser à remplacer toute la surface de l'articulation et de l'os par une prothèse. Tout est expliqué dans le document, de toute façon, je vous laisse remplir avec vos informations, prenez connaissance des modalités et vous me paraffez tout ça. Mais je préfère en discuter avec ma fille, hein. C'est une grosse décision, ça. Ça va aller? Il a repris ses esprits? Ça va aller, papa. Je vais te le lire, le document.